Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Pour ce qui a trait des fichiers, donc il y en a quand même quelques-unes qui ont consulté là, ce que j'avais mis en ligne dans Léa. Donc, un petit bloc interrupteur pour faire vos plans de plafond. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, il est petit. » Ben, en fait, oui, effectivement, il est plus petit que l'ancien bloc. Par contre, il est muni de toutes les options. La grosseur, quand on l'insère avec l'échelle annotative, la grosseur qui est établie en fonction de l'échelle, c'est correct comme ça. On n'a pas à grossir le symbole comme tel. Donc, le fichier qui est là, vous pouvez vous en servir. J'avais mis aussi les fichiers pour les projets supplémentaires ou complémentaires. Donc, projet intégrateur, projet duplex sont là. Donc, les fonds de plan sont là. J'ai pris un petit peu d'avance. En fait, ce que j'ai fait, c'est que dans cours d'eau, j'ai mis récupération de calques et légendes. Donc, il y en a plusieurs cette semaine qui m'ont posé la question. J'ai purgé mon dessin, j'ai plus mes calques, j'ai plus les légendes pour faire mes mises en page. Donc, évidemment, quand je purge un dessin, ça élimine les éléments que je ne me suis pas servi. Ça efface rien de ce que vous avez dessiné ou utilisé. Donc, si on purge prématurément notre fichier, donc avant la fin de notre projet, ben c'est évident qu'il va nous manquer des informations si on a vraiment purgé de façon systématique tous les blocs. Donc, je vais faire la démo aussi. Donc, je vous ai mis un petit fichier qui s'appelle calque.dwg. En tout temps, si jamais il vous manque des calques, vous les avez effacés par mégarde ou vous avez des blocs qui sont disparus, vous pouvez insérer ce fichier-là, je vais en faire la démo. Vous allez récupérer tous les calques, vous allez récupérer tous les blocs du gabarit. Donc, ça vous permet de remettre à jour votre fichier. Puis, oui, à la toute fin, la semaine prochaine, je ferai la démo là, quand on remet le fichier, qu'est-ce qu'on fait au final dans notre fichier pour le remettre. J'utilise souvent les questions qui me sont posées en cours de semaine pour faire des petites capsules. Donc là, ici, j'en avais mis une en ligne qui stipulait en fait, on a changé d'échelle en cours de route. Donc, on est passé d'un quart à 3,8 dans nos plans. Là, votre collègue me mentionnait, en disant, quand je clique sur mon objet, ben, il est comme dédoublé. On voit double. En fait, c'est que comme j'ai deux échelles annotatives disponibles, c'est normal que quand je clique sur mon objet, il monte en grisé la grosseur du bloc à l'échelle 1 quart, par exemple, qui est beaucoup plus grosse. Donc, ça, ce n'est pas dramatique, mais j'ai fait une petite démo pour enlever les échelles annotatives qu'on n'aurait pas de besoin. Ça arrive des fois qu'on va faire des tests puis on les met à jour, mais là, on se retrouve avec 5, 6 échelles. Puis là, notre symbole, là, c'est chaotique un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de symboles qui se superposent. Mais dites-vous qu'au final, ça ne s'imprime pas. C'est juste quand on vient pour les manipuler que ça vient peut-être causer certains problèmes en fonction de l'échelle annotative. Mais ça, j'ai fait une capsule de ça. Vous pourrez aller les voir. Puis, c'est ça. Justement, me parlait des symboles interrupteurs qui semblaient petits. Ben, j'ai expliqué la chose dans cette capsule-là. Donc, ça, c'est pour ce qui est disponible présentement dans Léa. Donc, je vais me servir d'un de vos plans pour faire mes petites démos d'aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'est qu'il y en a plusieurs qui, dans leur projet préliminaire, l'image n'apparaissait pas. Donc, juste faire la démo finale pour les images. On sait qu'on peut insérer des images en les attachant. L'avantage de ça, c'est que notre fichier CAD est moins lourd, mais le désavantage, c'est que si vous donnez votre fichier à un collègue, ben, faut que j'aie l'image pour pouvoir l'insérer et il faut qu'elle soit placée exactement dans le même répertoire. Donc, si la plupart d'entre vous êtes allés chercher ou attacher une image qui est dans mon intranet au Cégep, c'est normal qu'à la maison, l'image n'apparaît pas puisque vous n'avez pas accès directement au réseau du Cégep. Même chose pour moi. Donc, quand j'ouvre votre fichier puis c'est marqué VClaudeH à place de l'image, c'est que vous avez attaché l'image. Donc, ce que j'avais demandé de faire plus tôt pour qu'elle soit imbriquée dans notre projet, c'était on télécharge l'image sur notre bureau et on venait l'ouvrir. Donc, ouvrir avec soit Photoshop, Paint, peu importe le traitement d'image qu'on a,
Je prends Paint, c'est le plus simple de la gang. C'est en fait le logiciel le plus basique qu'on peut utiliser pour faire de la correction d'image ou les redimensionner. Donc, première étape, je sélectionne. Donc, je sélectionne mon image. Donc, ici, je fais CTRL-C. Puis, quand je viens dans AutoCAD, je vais ouvrir mon image plus grand. Je fais CTRL-V. Donc, c'est vraiment un copier-coller. Cette image-là est maintenant imbriquée dans mon dessin. Ce n'est pas un lien, l'image fait partie de votre fichier. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, ça ici, c'est vraiment une image que je peux trimballer avec mon fichier. Elle fait partie intégrante de mon fichier. Deuxième petite chose, quand vous avez des émissions pour nos phases en fait de projet, la plupart d'entre vous avez laissé phase d'approbation. Donc, la phase dans laquelle on remettait notre premier jeu de plan, c'était la phase préliminaire. Donc, il aurait fallu inscrire phase préliminaire. Là, on sait que, par exemple, le 14 mai ou 20 mai, je remets la phase finale. Bien, je vais écrire ici émission, phase finale. Je m'assure que mes paginations sont correctement faites. Puis, des fois, ça arrive là, que vous écrivez du texte, puis les cases sont hyper larges. Je vous demanderais de les ajuster, vos cases. Donc, si c'est un tableau, je rentre à l'intérieur, puis je viens tout simplement réduire la taille de mes cases. Je pourrais même l'écrire sur deux lignes, ce texte-là, si c'est trop long. Ben, en fait, j'ai juste à réduire la largeur de mon tableau, puis il va s'écrire automatiquement sur deux lignes. Donc, ça m'évite d'avoir des lignes de texte de 2 pieds de long. Donc, ce principe-là va être aussi valable dans les notes qu'on va mettre sur nos mises en page. Donc, on peut réduire la taille du tableau pour pas avoir un tableau trop large. Puis, on peut ajuster à ce moment-là, en fonction du texte, garder un espace égal dans nos différentes cases. Donc, l'idée, c'est tout simplement entrer à l'intérieur. C'est à l'aide des, on appelle ça des grips, les petites cases qu'on peut élargir, on peut agrandir les cases. Donc, assurez-vous que les proportions sont gardées. D'accord? Je vais aller au plan de l'existant. Donc, je vous ai demandé de mettre les plans à 3,8. Ça rentre pour tous les plans. Évidemment, le plan de l'existant comporte plusieurs cotes en périphérie, donc toutes les ouvertures doivent être cotées. Donc, ça, c'est l'exemple du plan de l'existant qu'on avait quand on a fait le relevé. C'est exactement les mêmes cotes. L'idée là-dedans, c'est que c'est le seul plan, le plan de l'existant, qui peut être positionné différemment des autres. On s'entend que sur démolition, aménagement, construction, mon but, c'est de positionner mon plan exactement à la même place sur chacune de mes mises en page et de disposer mes légendes, mes notes tout autour. Donc, le plan de l'existant, oui, je vais le centrer. J'ai des cotes de chaque côté, donc lui, il va prendre plus de place. Puis en passant, il y en a plusieurs qui me disaient, ouais, mais là, moi, ça ne rentre pas. Bien, en fait, n'oubliez pas d'éteindre le petit balcon à l'extérieur. On n'en a pas besoin dans notre vue. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas effacé. J'ai juste éteint le calque balcon dans toutes mes vues. Donc, ça va me permettre de positionner mon plan. Donc, le plan de l'existant, puis je répète encore, là, si je vais en mode objet, je veux deux plans. Un plan de l'existant, puis tous les autres plans, un par-dessus l'autre. Si vous me remettez un fichier qui a 5 plans, ça ne passe pas. Je peux pas accepter ça. Vous avez le temps de corriger le tir, vous avez le temps de faire vos gestions de calque, ben, il faut le faire pour le projet phase finale. Je ne peux pas accepter un jeu de plan avec une fenêtre pour chaque mise en plan. L'idée là-dedans est très simple, c'est que si en cours de route, je viens déplacer un mur ou déplacer une porte dans un de mes plans, ben, si j'ai juste un plan à corriger, c'est beaucoup plus facile. Je tasse ma porte, ça va se tasser dans tous mes plans. Tandis que si j'ai 5 plans différents, puis que j'oublie de déplacer ma porte ou faire mon changement architectural dans tous mes plans, ben, mon jeu de plan ne sera pas coordonné, puis il va avoir des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la
superposition des calques. C'est pareil comme quand vous travaillez avec votre papier calque, hein? Donc, vous avez le fond de plan, vous mettez votre papier calque par-dessus, vous dessinez, puis vous superposez vos papiers calques. Ben, c'est la même chose dans AutoCAD. C'est ce qu'on veut faire. Bon, voilà. Donc, plan de démolition, par exemple. Donc, j'ai mis à 3-8. On vient positionner nos légendes, nos textes. Ce que je vous ai mentionné au préalable, c'est en fait, quand je viens pour positionner mon plan, je vais utiliser le plan qui a le plus de légendes, plus de textes. Puis c'est à partir de lui que je vais disposer mon plan, puis m'assurer que mon plan, après ça, ben, je vais le placer exactement pareil d'une page à l'autre. Donc, moi, j'ai pris, exemple, le plan de construction. J'ai une série de notes assez longues. J'ai mes légendes. Bien, c'est ce plan-là, puis le plan défini, là, qui comporte le plus de textes et de légendes. Donc, à partir de cette position-là, bien, c'est cette position-là de plan que je vais utiliser. Donc, je vous donne mon truc pour bien disposer mes plans d'une page à l'autre. Bien, en fait, c'est hyper simple. C'est que je vais prendre cette fenêtre de présentation-là, puis je vais la copier sur chacune de mes mises en page. Il faut s'assurer que nos gestions de calque fonctionnent bien. Regardez bien, je vais revenir en démolition. Je vais enlever ma fenêtre de présentation. Vous allez me dire, hey, tu as tout effacé ton plan. Donc, j'ai juste effacé la fenêtre de présentation. Donc, je vais prendre ma fenêtre de présentation qui est ici. Je vais venir copier avec un point de base. Faites-vous-en pas si vous êtes dans l'interface Mac, vous n'avez pas ça. Vous pouvez copier, coller d'une page à l'autre et la positionner après. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, je peux donner comme point de départ, exemple, le coin ici. Puis, je m'en viens dans mon plan d'aménagement. Je vais faire coller et je place ma fenêtre de présentation exactement au même endroit. Là, vous allez me dire, ouais, bien là, ma gestion de calque n'est plus là. C'est vrai. Par contre, si je rentre à l'intérieur de ma fenêtre, je vais aller dans mes calques, ma gestion de calque. Ça, c'est mon plan d'aménagement. Je vais réactiver mon plan d'aménagement et c'est corrigé. Donc, mon plan est exactement à la même place d'une page à l'autre. J'ai juste à réactiver ma gestion de calque. Même chose pour démolition. Je viens faire presse-papier. Il est toujours en mémoire, donc je peux faire coller. Je viens le positionner exactement au même endroit. Je rentre dans ma fenêtre, puis je viens gérer mes états de calque. Donc, ça, l'avantage de ça, c'est que, et c'est pour ça que je vous avais mentionné, prenez le plan qui est le plus contraignant de la gang pour disposer vos textes, placer votre plan, puis cette disposition-là, bien, on peut la recopier d'une page à l'autre. Donc, ça, c'est la méthode la plus efficace pour placer nos plans à l'identique d'une page à l'autre. Autre petit truc que je voulais vous montrer, vous avez du texte, donc des notes générales de construction. Comment on fait pour faire les colonnes ici? Bien, en fait, c'est des paragraphes. Donc, si je sélectionne mon texte ici, je vais double-cliquer dessus. Donc, je rentre en mode édition du paragraphe. Et là, on a toutes les options de paragraphe. Évidemment, AutoCAD, ce n'est pas un traitement de texte, mais il y a quand même certaines petites particularités qu'on peut utiliser. À l'occurrence, des colonnes. Donc, là, présentement, j'ai une colonne, puis mon texte fait 2 pieds de long. Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire, je veux avoir 4 colonnes. Donc, je veux disposer 4 colonnes. Donc, on choisit le nombre de colonnes qu'on veut. Je vais aller lui dire quelle largeur je veux. Donc, si je mesurais sur mon plan ici, je verrais que j'ai à peu près 4 pouces d'hauteur. Donc, la hauteur de ma colonne, je ne veux pas qu'elle fasse plus que 4 pouces. La largeur de ma colonne, donc je pourrais aller mesurer sur mon plan et dire ici, de là à là, j'ai combien? J'ai 17 pouces à peu près, donc je vais écrire 17 ici. Puis, je peux indiquer quel espace que je veux entre chacune de mes colonnes, donc soit un quart de pouce ou un demi-pouce, à notre guise. Donc, si je fais OK, puis je ferme mon éditeur de... Bien, j'ai mes 4 colonnes qui viennent de se disposer. Donc, ça veut dire que je peux, sans même défaire tout mon paragraphe, le disposer à ma guise selon ce que j'ai de besoin. Évidemment, chacune des notes qui sont à l'intérieur, bien, c'est à moi de les ajuster en fonction de mon projet. Est-ce que ça va?
Admettons que je les avais déjà déplacés, mais en décomposant le bloc, est-ce que je dois le refaire avec la bonne méthode? OK. Donc, ça, c'est une bonne question, en fait. Si, exemple, tu as décomposé tes notes, OK, donc chacune des notes, tu les as décomposées, bien évidemment, ça devient des lignes de texte séparées. Je n'ai pas de problème avec ça si tu les disposes. C'est juste que si tu viens pour en enlever, là, tu veux les numéroter, bien, il va falloir que tu les numérotes une à une. Donc, il va falloir que tu t'assures que la numérotation soit correcte. Donc, si tu enlèves la note 2, bien, il faut que tu renumérotes celle-là 2, 3, 4, il faut que tu les fasses une à une. L'avantage du paragraphe, c'est que quand tu enlèves une note, bien, normalement, la numérotation se change automatiquement. Donc, dépendant de l'interface que vous avez, c'est sûr que dans Mac, ça n'existe pas. Donc, si j'avais fait ça avec Mac, je le garderais comme ça, mais j'irais juste éditer le texte. Mais pour tous les autres, je sélectionne tout mon texte. Dans la section Menu Express, on vient convertir notre texte en paragraphe. Donc là, ça redevient un paragraphe que je vais pouvoir éditer comme je veux. Donc, je vais pouvoir refaire mes colonnes en tout temps. Donc, ça, c'est bon pour n'importe quel texte que j'ai décomposé. Je peux refaire un paragraphe avec. D'accord? Donc, menu Express Tools, je peux refaire un paragraphe avec mon texte sans problème. Même s'il est déjà décomposé. Ben oui, c'est ce que je viens de faire. Ah, OK. Parfait. OK. Donc, ça, c'est pour nos différentes légendes. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi là-dedans? Celle-là n'avait pas été changée encore. OK. Vous savez, et avec cet ordre d'idées-là, si vous avez des ordis qui sont plus lents, la semaine passée, il y en avait une qui mentionnait que son ordi était très, très lent puis ça ne fonctionnait pas bien. Je lui ai mentionné d'éteindre tout ce qui est texte. Une fois qu'il est placé, j'éteins mon calque. Donc, je gèle mon calque. Normalement, ça améliore la chose. Vous savez que chacune des fenêtres de présentation qui sont là, vous pouvez les faire juste à la fin, sans problème. Donc, comme j'ai montré dans la petite démo juste avant, une fois que j'ai placé mon plan à l'endroit où je veux l'avoir, ben, les autres fenêtres de présentation, là, je ne suis pas obligé de les mettre tout de suite. Là. Je peux les mettre carrément à la toute fin. Puis ça va alléger aussi votre dessin. Donc, si j'enlève ça. Je peux continuer à travailler en mode objet sans problème à l'aide de ma gestion de calque. Donc, ça pourrait être une méthode qui nous permet de. Donc, je travaille sur mon plan d'aménagement, je fais mes correctifs. Donc, je travaille toujours en mode objet, je ne me sers pas de ma mise en page. Donc, ça va accélérer aussi si vous avez des ordi un petit peu plus lents. Vous travaillez sur votre plan de construction, vous peaufinez votre plan de construction, vous rajoutez les cotes, tout ce que vous avez de besoin. Une fois que c'est terminé, vous avez tout fini vos plans, vous rallumez tout et on revient dans notre mise en page. Puis, vous dites, OK. Je reprends ma petite fenêtre comme j'ai fait ma petite démo de tantôt. Je vais venir la copier avec un point de base, c'est-à-dire le coin. Je viens la déposer dans mon plan d'aménagement. Et je rentre à l'intérieur une dernière fois, puis je fais ma gestion de calque. Donc, je peux très bien finaliser tout ce qui est plan en mode objet, puis au final, ouvrir ma fenêtre de présentation, puis mettre à jour mes calques dedans pour finaliser. Donc, l'idée, c'est de passer d'objet à papier tout le temps. Bien, si vous avez un ordi qui est plus lent, bon, moi, je me concentre à travailler en mode objet sur mes plans, je rallume tout, là, je finalise ma mise en page. On sait que ma fenêtre de présentation prend, exemple, mon plan prend tout cet espace-là, bien, je pourrais très bien me tracer une ligne guide temporaire. Je disais, OK, il faut que ma légende rentre là-dedans, par exemple. Puis là, je ne mets pas ma fenêtre de présentation pour l'instant. Puis là, je travaille juste sur mon texte. Je travaille juste sur mes mises en page. Puis à la fin,
je viens insérer ma fenêtre de présentation puis je fais ma gestion de calque. Donc, ça peut vous permettre d'accélérer le traitement de votre ordi. Okay? Sinon, avez-vous des questions générales par rapport à ce projet-là? Ben moi, c'est par rapport aux interrupteurs. On dirait que je comprends pas le principe des annotés, genre. C'est les petits codes qu'on écrit à côté, genre 1A, 1B, 3V1. Ouais. Genre, je comprends vraiment pas. OK, je vais juste aller voir. Je vais aller me chercher un fichier dans lequel j'ai... Je prends un exemple d'étudiant. Après moi, ça doit être correct. Voyons voir. OK. Donc, exemple. Je me place à l'entrée principale, puis je veux insérer mon interrupteur, puis je veux, exemple, gérer cet appareil-là. Donc, je me place sur le bon calque, évidemment. Donc, nouveau éclairage. Symbole. Et je viens faire insertion. Si vous n'avez pas déjà inséré le nouvel interrupteur, vous le téléchargez sur votre bureau, puis vous faites parcourir pour aller le chercher. Moi, je l'ai mis sur mon bureau, donc je vais aller le chercher là. Je vais lui dire où l'insérer. Pour le reste, ça va. Donc, j'ai mis un petit paramètre d'alignement, donc il va tout de suite s'orienter en fonction de votre mur. Donc, si je viens le positionner ici, là, il me demande comme question, en fait, quel type d'interrupteur? Donc, les premiers chiffres, les premières lettres, c'est pour indiquer, les lettres majuscules, c'est pour indiquer si vous avez un interrupteur, un gradateur pour gérer l'intensité lumineuse. S'il n'y a pas de gradateur, donc je ne mets pas de G. Si c'est un 3 voies, bien là, je vais mettre 3V et puis je vais, après ça, mettre le lien électrique. Donc, le 3V, ça veut juste dire que si je suis dans ma chambre, par exemple, puis à l'entrée, je veux allumer mon luminaire, puis à côté de ma table de chevet, je veux pas me lever pour éteindre la lumière, bien, je veux l'éteindre. Donc, ça, c'est un 3 voies. Ça veut dire que mes appareils d'éclairage peuvent s'éteindre à 2 endroits différents. Donc, c'est 2 interrupteurs qui sont reliés entre eux. 3 voies, ça veut juste dire qu'il y a 3 fils à l'intérieur qui nous permettent d'allumer, d'éteindre à 2 endroits différents. Okay? Puis la petite lettre, c'est en fait le lien électrique. Donc, pour éviter d'avoir à mettre des arcs pour relier chaque appareil, on peut mettre une lettre dedans. Donc, faisons l'exemple où j'ai un gradateur, puis j'ai le lien A pour électrique. OK. Donc, ça va faire mon interrupteur. C'est un gradateur, puis il va allumer tous mes appareils qui ont un petit A à côté. Donc, je prends mon encastré ici, puis je mets un petit A à côté, ben, cet interrupteur-là va gérer lui. Donc, chaque appareil qui sera géré par cet interrupteur-là, je viens inscrire la lettre à côté. Donc, ça pourrait allumer plusieurs appareils. Ça veut dire, l'électricien, quand il va faire son circuit électrique, bien, il va dire, OK, moi, le premier interrupteur va gérer ces appareils-là. Si j'en mets un autre à côté, je vais avoir le circuit B. Ah, celui-là, il n'y a pas de gradateur dessus, par exemple. Ben, lui, il va gérer, par exemple, cet appareil-là. Donc, ça nous évite d'avoir à mettre des arcs pour relier puis alourdir notre dessin. Donc, graphiquement, c'est beaucoup plus clair à lire puis c'est beaucoup plus facile à faire que de mettre tous des arcs. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, puis admettons que là, dans la salle de bain, est-ce qu'on pourrait reprendre le même code? Absolument, absolument. Okay. Tu peux, par pièce? Oui, c'est par pièce, effectivement. Okay. N'oubliez pas, quand vous faites votre plan de plafond, on a éteint les portes. Il faut dessiner les lignes qui représentent le mur qui est au-dessus des portes. Donc, c'est l'imposte. Donc, n'oubliez pas de dessiner ça. Ne laissez pas les ouvertures tout grandes ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je laisse ça tel quel, c'est que soit que ma porte va jusqu'au plafond, donc elle peut faire 9 pieds, 10 pieds ou peu importe. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, effectivement, si j'ai les portes de 80 pouces, ben,
nécessairement au-dessus de ma porte, j'ai un mur. Donc, je vais activer mon calque nouveau plafond et poste. Si vous remarquez, il est la même couleur que nos cloisons. C'est prévu comme ça. C'est qu'en fait, je vais délimiter ce qui va faire en sorte que je ne pourrais pas mettre une cote comme celle-là. Donc, ma cote, je vais plutôt la placer en fonction du mur. Puisque en haut de la porte, j'ai un mur, bien, l'électricien va s'aligner sur ce mur-là pour coter, non pas à l'intérieur du garde-robe, finalement. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'était par rapport aux axes. Est-ce qu'on les met ou on les éteint, puis on les met? Bien, en fait, les axes ici, c'est pour juste mentionner à l'entrepreneur qu'à 3 pieds 8 de ce mur-là, il va placer son laser, puis là, il va pouvoir positionner. Donc, à 3 pieds 10 du mur, il va placer son encastré, il va percer un trou. À 7 pieds 8 plus loin sur cette même ligne-là. Donc, l'idée, là, c'est pour bien placer nos appareils, puis c'est beaucoup plus en fait, beaucoup plus facile. Sinon, si je place mes appareils sans avoir de ligne d'axe, ben il n'y a rien qui me dit qu'ils sont tous alignés les uns aux autres. Donc, par principe, je préfère mettre des lignes d'axe pour mentionner que tous ces appareils-là sont alignés. Par contre, si je vois dans son dessin, il a mis bon, à 3 pieds 10, 7 pieds 8, 7 pieds 8. Imaginez que j'ai 10 appareils à 7 pieds 8. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de mettre la première ligne de cote à 7 pieds 8. Si je ne mets pas la prochaine, ça veut dire que la prochaine va être à 7 pieds 8 aussi. Okay? Donc, ça veut dire que ça peut limiter, si on veut, le nombre de cotes qu'on met dans notre dessin à l'aide des axes. Puis, en fait, si j'ai une distance différente, bien là, je vais coter. Mais imaginez que j'ai 10 appareils sur une même ligne, ils sont tous à 3 pieds de distance entre chaque, bien, je n'ai pas besoin de mettre toute ma série de cotes ici. C'est bon, merci. Autre question? Si mon plafond, c'est tout du gypse, est-ce qu'on peut juste comme laisser une note dans les trucs de... dans le bas, là, dans le genre de paragraphe? On peut juste écrire une note comme quoi, genre, tout le plafond est en gypse? Effectivement, on peut avoir une note spécifique qui spécifie justement que tous nos plafonds seront en gypse. Si je n'ai pas plusieurs hauteurs, puis j'ai vraiment uniformisé toute la hauteur de mes plafonds dans toutes les pièces, bien, tous les plafonds seront en gypse et j'indique la hauteur. Donc ici, c'est le cas, là, on a mis une bulle de hauteur ici en plein milieu, puis on a dit les plafonds sont à 9 pieds. Okay? Évidemment, si j'ai des pièces qui sont fermées, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir des hauteurs différentes à l'intérieur des pièces. Donc, faites juste attention à ça. La note spécifique pourrait combler cette confusion-là, si on veut, puisqu'on va indiquer que tous les plafonds seront à 9 pieds au départ. Faites juste attention. Je pense que dans le condo, initialement, on avait une retombée de plafond à l'entrée. On était à 8 pieds 6 ou quelque chose comme ça, là. Je sais qu'il y en a qui l'avaient démoli. Donc, c'est peut-être un truc qu'il faudra rectifier dans votre plan de démolition en fonction de si vous mettez tous les plafonds à la même hauteur, bien, il va falloir, dans notre plan de démolition, l'indiquer. Donc, chaque modification qu'on apporte à un projet a une implication dans nos différents plans. Puis c'est ça le but de faire un projet comme celui-là, c'est de vous préparer à prendre des décisions, évidemment, dans nos projets, mais dire « Ah, OK, il y a une conséquence. J'ai enlevé telle affaire, bien, ça va avoir une répercussion dans mon projet. » Et l'idée, c'est ça. Et c'est ce qu'on va perpétuer. On va continuer là, dans votre cours prochain, donc dans PEDEX 1. On fait un jeu de plan vraiment très, très, très complet. Donc, ça, c'est si on veut, la phase préliminaire à votre prochain cours. Je vais faire une petite parenthèse sur ce qui s'en vient pour les prochaines sessions. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont de la difficulté avec leur ordi, tout ça. Vous avez l'été, en fait, pour vous préparer parce que si la tendance se maintient, ben à l'automne,
Si on doit continuer en ligne, ben, il va falloir prendre les moyens pour rectifier le tir, puisqu'on va il y a des grandes chances qu'on continue en ligne à la prochaine session. Il va peut-être avoir une session hybride encore une fois, un début en ligne, puis après ça en présentiel, donc en classe, juste pour vous préparer à la chose. Sûrement qu'il va y avoir des programmes d'aide pour achat prêt d'ordi, mais pour l'instant, là, c'est pas encore mis sur la table. Si vous avez des problèmes avec vos laptops, vos ordi, je vous fais juste vous préparer à la chose pour qu'à l'automne, on soit peut-être mieux installé, mieux préparé là, à la chose. Ça va juste vous permettre d'avoir, dans le pire des cas, d'avoir les outils pour pouvoir travailler de la maison, que ce soit pour les travaux à la maison ou pour les travaux en ligne. Donc, juste pour vous mentionner ce qui peut s'en venir pour la session prochaine. Je ne veux pas être alarmiste, mais si on regarde les plans de déconfinement pour l'instant, là, Montréal, je ne pense pas que le cégep, dans le cadre actuel, réouvre de sous peu, là. Okay. Donc, juste pour qu'on puisse être outillé pour la prochaine session. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de ça? Sinon, moi, je vais continuer de préparer vos capsules pour les correctifs de la phase préliminaire. Puis, cours prochain, je fais vraiment un wrap-up de tout le projet, qu'est-ce qu'on doit, comment on remet les préparatifs à la remise, etc. Non, c'est bon comme ça. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Moi, c'est juste que les interrupteurs, j'ai mis des, comme de A, admettons, à G. Est-ce qu'il faut que ça commence à A à chaque pièce? Le principe, il faut que ça soit clair. Donc, ça veut dire que tu continues ta numérotation, ton énumération de A à G, il n'y a aucun problème. Mais si les pièces sont fermées, tu peux repartir à A, puisque l'interrupteur, c'est clair de toute façon que dans cette pièce-là, la pièce est fermée. OK? Donc, l'idée de faire de A à G, c'est que si tu as une grande pièce à air ouverte, 18 circuits, bien là, je vais passer de A à G là-dedans. Si tu as des pièces fermées, tu peux repartir à A, mais ça n'empêche pas okay. que tu peux le faire de A à G là, à travers tes pièces. Aucun problème. C'est clair les deux façons. Okay. Fait que si, admettons, on avait un interrupteur à côté de la porte, à côté du tu sais, qui venait au balcon, puis qui rouvre la même lumière que, je ne sais pas moi, une lumière qui rouvrait dans le corridor, on aurait le même code? On aurait trois voies, hein? C'est un trois voies à ce moment-là. Puis effectivement, tu aurais la même petite lettre à côté. OK. Fait que quand que deux interrupteurs ouvrent pareil, oui. On met trois V avec le petit code, puis on automatiquement c'est le même code. Genre. Exactement. Ouais, okay. Donc, tu gères le même circuit. Donc, ça va être les mêmes appareils qui vont s'allumer avec tes deux interrupteurs. Merci. Bienvenue. Est-ce que Méliane est là ce matin? C'est moi. OK, oui. Donc, excuse-moi. Je ne voyais pas les noms apparaître. Je vais juste faire une petite mise à jour là, au niveau de ton cartouche. Tu as mis ton logo dedans, mais il y a une petite problématique. Là. Je vais juste t'en parler à toi si tu veux en Zoom privé à ce moment-là. OK. Sinon, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que la petite problématique pourrait nous aider? Ben oui, si vous voulez le voir, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas, c'est rien de grave. C'est juste que quand elle a mis son logo dedans, si je fais un zoom sur ma mise en page, je vois qu'il y a un paquet de trucs qu'elle a ajouté aussi avec son logo. Regardez ça, c'est son logo. Puis sa mise en page est ici. Wouhou! OK? Puis ça fait toute partie de son cartouche, puisque quand je clique sur son logo, le cartouche est allumé, puis l'autre objet aussi est allumé. Donc, l'idée, là, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier
le cartouche. Donc, j'entre dans l'éditeur de blocs. Puis, je vais aller tout simplement effacer les éléments que je ne veux pas. OK? Donc, je vais aller effacer les éléments qui sont en dehors du cartouche. Son logo est toujours là. C'est juste qu'il y a des trucs qui étaient imbriqués dedans en plus. Je vais fermer l'éditeur. J'ai enregistré les changements. Je vais m'assurer que mon bloc, on l'insère sur le bon calque. Ça, c'est un autre petit truc. Mais si je fais un zoom maintenant, zoom étendu, double-clic sur ma roulette, bien là, j'ai pleine page. Tandis que tantôt, quand je faisais un zoom étendu, bien, je ne voyais pas la page du tout. Donc, si je venais pour imprimer ça, malheureusement, j'aurais eu un petit timbre poste là, sur mon impression. Okay, donc, je fais ça pour toutes les plaques et en tous les petits logos. En fait, pardon? Faut-tu que je fasse ça pour toutes les plans et tous les logos? Bien, c'est le même bloc qui est répété d'une page à l'autre. Donc, si tu as fait les modifications dans cette page-là, bien, ça a été appliqué à tout le bloc HEC. Ça veut dire que si je viens sur l'autre mise en page, puis je fais un zoom, bien, il est corrigé aussi. C'est juste un bloc, mais il s'est répété sur les 10 pages. Donc, quand je corrige un bloc, ça le corrige partout en même temps. OK. La seule chose, bien, tu mets ton... Mais est-ce que le logo, il faut qu'il soit cartouche aussi? En fait, quand tu rentres dans ton éditeur de blocs, tu peux le dessiner directement là si tu veux. Si tu t'es fait un bloc, tu vas l'insérer. Mais l'idée, c'est de le décomposer tout simplement pour pas que ce soit un bloc dans ton bloc. Et tu vois, elle les a mis sur le calque zéro qui est devenu magenta. Si tu veux avoir des lignes plus fines, bien, tu peux utiliser les couleurs qui sont là. Donc, tu peux mettre des couleurs plus fines quand tu vas l'imprimer. On s'entend que si j'imprime ce projet-là sur une imprimante noir et blanc, bien, tout est en noir. L'idée, c'est de jouer avec nos épaisseurs de traits. Si on l'imprimait sur une imprimante couleur, bien, là, on pourrait ajouter des couleurs si on voulait. Mais l'idée, là, c'est de quand on imprime des plans cadres, c'est de faire en sorte que les lignes soient de l'épaisseur qu'on veut. Donc, quand j'ai une ligne très large comme ça, je peux les laisser en blanc sans problème. Si j'ai des lignes fines, j'aurais tendance à les mettre en rouge à ce moment-là avec une épaisseur de traits à 0.9, puisque tout ce qui est en rouge dans mon dessin est à 0.09. Donc, je pourrais, à ce moment-là, enregistrer mon bloc. Et tu vois, les lignes qui sont en rouge, bien, ils vont s'imprimer en très, très fin. Puis tout le reste, bien, ça va s'imprimer plus large. OK. Comme je disais, vous n'avez pas de logo. Vous pouvez en créer un directement dans le cartouche. Vous pouvez dessiner, écrire votre nom avec un style de lettrage particulier. Puis il va se répéter dans toutes vos mises en page puisque c'est le même bloc partout. Donc, il s'agit juste de l'insérer sur le cartouche, tout simplement. C'est bon. C'est bon. Oui, je vais... En parlant de ça, il y a une question qui m'est venue que j'ai répondu cette semaine. Donc, je vais revenir à mon plan. OK. On l'avait vu quand on traitait les attributs qu'on pouvait, si on a fait une erreur sur toutes nos pages, de les corriger en cliquant sur un des attributs. La commande, c'est G, je l'écris au clavier, là, donc G-A-T-T-E. Juste un G, par exemple. Donc, G-A-T-T-E. Donc, gérer les attributs. E pour édition. Donc, quand je prends cette commande-là, par exemple, j'ai fait une erreur dans le nom de Jean-François, bien, je peux aller cliquer dessus, écrire ce que je veux. Et quand je vais faire Enter, il va me dire, ah, tu as 8 pages, tu as 8 blocs. C'est le cas. Arche-C, veux-tu les modifier? Si je fais oui, il va écrire ça sur toutes mes pages. Donc, ça me permet de corriger une erreur que j'ai commise dans toutes mes pages à l'aide de la commande GATTE. Pourquoi je montre ça? C'est que la plupart d'entre vous n'avez pas écrit les phases. Donc, la EMI pour, on sait, donc j'entre un petit peu en avance là, sur les notions de la semaine prochaine, mais en fait, c'est que sur chacune de mes pages, je dois lui dire la date à laquelle je vais imprimer ce plan-là. S'il a été émis à plusieurs étapes du projet, bien, il faut que je le mentionne. Donc, on s'entend que à partir du plan de l'existant jusqu'à la page des besoins électriques, c'était la phase préliminaire. Ça veut dire que
La première phase qui est inscrite ici, c'est la première fois qu'elle a été imprimée, cette feuille-là, c'était pour les préliminaires. Donc, ce que je pourrais faire ici, je vais faire GATTE, et je vais cliquer sur approbation, puis je vais écrire phase préliminaire. OK? Donc, si je fais Enter, il va l'écrire partout. Je peux utiliser la même chose pour changer la date, pour définir par aussi, donc je peux utiliser ça. L'avantage de ça, c'est que toutes mes pages maintenant, la phase, l'impression 1, c'est phase préliminaire. Là, vous allez me dire, ouais, mais le plan de plafond, je ne l'ai pas imprimé à phase préliminaire. Effectivement, pour que ça aille plus vite, je l'ai mis partout, mais si je viens sur mon plan de besoin de plafond réfléchi, je le sais que moi, ma phase 1, je l'ai imprimé la première fois ça pour la phase finale. Bien, je vais aller tout simplement éditer ça puis dire, OK, ça, c'était ma phase finale. La première fois que je l'ai imprimé, là, je l'ai imprimé juste une fois, ce plan-là. C'est pour la phase finale. Puis, je vais écrire la date, donc du 22 mai, exemple. OK? C'est-à-dire que sur chacune de mes pages, je peux lui dire, OK, moi, ma page de construction, elle a été imprimée deux fois. La première fois, c'était pour la phase préliminaire. La deuxième fois, c'était pour la phase finale. Mais on s'entend que pour le plan d'éclairage, plan défini, élévation, ça va avoir été imprimé seulement qu'une fois. Donc, je vais écrire phase finale et la date. Pour tous les autres plans, bien, il va y avoir deux phases, en fait, deux impressions. OK? Donc, si je clique dans mon cartouche, vous avez la date numéro 1 qui est celle-là, l'émission numéro 2. Donc, l'émission numéro 2, c'est ma phase finale. Ça, c'est ma phase numéro 2, excusez. Il est mis pour phase finale. Donc, je vais juste l'écrire à la bonne place pour que ça corresponde. Puis, j'inscrirai la date, par exemple, du 22. Donc, ça va ajouter le nombre d'impressions. Donc, dans un projet, là, on va avoir plusieurs étapes. Puis, en cours de route, si on a des trucs à modifier, puis le projet est déjà amorcé, bien, on va avoir des émissions pour correctif pour telle situation. Bien, on va avoir une autre émission. Donc, on peut imprimer, pas tout le jeu de plan, mais en portions, en fonction de ce qu'on a de besoin pour le projet. Donc, ça veut dire que la phase préliminaire, c'était pour jusqu'aux besoins électriques. Donc, ça va être écrit sur tout. Ça va être la première impression. Deuxième impression, phase finale et la date ici. Puis, vous inscrivez vos initiales. Donc, assurez-vous que dans vos cartouches, ce soit établi les impressions qu'on a faites ou les remises qu'on a faites dans notre cas. Donc, petit ajout au correctif à faire là, à vos cartouches tout le long. Même principe, cette commande-là, si jamais vous avez laissé des zones avec des points ou peu importe, vous pouvez corriger le tir avec cette commande-là. Donc, ça nous permet en un clic de corriger toutes nos pages et de faire le correctif. Donc, ici, là, si je voulais écrire la phase 2, bien, je pourrais utiliser le GATTE pour l'inscrire partout puis dire, regarde, j'ai huit pages, il y en a trois qui ne l'ont pas, bien, je pourrais plus rapidement faire l'édition des 8 pages, mais sur les 3 dernières, je sais que je vais aller l'enlever. Donc, je pourrais aller le soustraire de ma mise en page. Sinon, on le fait une page à la fois. Oui, c'est plus long, mais on est certain du résultat. Donc, à vous de voir la façon que vous voulez traiter la chose. Donc, voilà pour la petite parenthèse pour les phases les émissions pour notre projet. Moi, juste pour la légende, est-ce que c'est correct si on l'a mis le lendemain ou il faut vraiment faire des paragraphes? Bien, en fait,
Moi, ce que j'aurais... bon, c'est sûr que dans notre guide, là, dans un monde idéal, on met tout à côté, mais on s'aperçoit que ça ne rentre pas. Donc, moi, idéalement, ce que je préférerais faire, moi, j'aime mieux mettre mes symboles de légende. Donc, tout ce qui est symbole ici, les mettre, puis mettre dans le bas toutes mes notes générales. Parce que ça va être... C'est un texte, puis j'aime mieux avoir plusieurs colonnes de texte dans le bas. Puis en lien avec le plan, si je fais un zoom, bien, j'aime mieux avoir ma légende de symbole à proximité. Donc, ce qui est en lien vraiment avec le projet, j'aime mieux l'avoir à côté. C'est pas dramatique, mais... En termes de convention graphique, puis de lisibilité, puis de facilité à consulter, habituellement, ce que je vais faire idéalement, c'est que je vais mettre... Donc, on s'entend quand on a une mise en page comme celle-là, puis que ça rentre à côté. Parfait, je mets tout à côté. Mais dans un cas où... est-ce que j'en ai un exemple de ça, moi? Ouais. Donc, mes légendes... Préférablement, je vais les mettre à côté puisqu'ils sont en lien en direct avec l'information que je trouve dans mon plan. Puis en bas, bien, je peux mettre toutes les zones de texte. On s'entend que plus je vais avoir de pages dans mon jeu de plan, plus les éléments vont être... Bon, tout ce qui est à droite, c'est ce qui est consulté le plus rapidement. On fait défiler les feuilles, ils sont toutes brochées ensemble. Bien, l'information qui est ici... C'est la première information que je vois quand j'ouvre ma page. Donc, je vois ma légende tout de suite, je vois mes symboles, je vois mes types de murs, mes sanitaires. Donc, moi, c'est la méthode que j'utilise là, pour faire tous mes plans d'architecture. OK, merci. Bienvenue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis, d'ici la fin de l'après-midi, tout le groupe du vendredi, vous devriez avoir les correctifs de la phase préliminaire pour ceux et celles qui me l'ont remis, évidemment. Groupe du mercredi, c'est déjà en ligne. Groupe de jeudi aussi. Donc, alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Faites attention à vous. Puis, essayez de pratiquer un peu AutoCAD, même si je sais que vous êtes surchargé de travaux dans d'autres cours. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être à l'aise, puis ça devient un outil à même titre qu'un crayon, donc en bout de ligne. Donc, plus vous allez pratiquer, mieux ça va être pour vous. Bon, merci. Au revoir. Bye.